Hey man, yo ka kampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Oh yeah, télémato kembe, Africano. Sans raison, oh, oh yeah, Africano, Africano, ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des comptes. Mon télémato kembe, Africano, Africano, travail plus amour font vivre de beaux jours. Go, assis sur des trésors, tu vis dans la misère. T'embrouilles dans des guerres, t'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Y a une ère nouvelle qui s'ouvre, veux-tu sortir de ta niche? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est un grand soir. Ce soir, ce n'est pas un soir comme tous les autres soirs, c'est un soir de théâtre. C'est un soir de spectacle, c'est un soir de gaieté. Ce soir, nous allons vous présenter l'homme en colère. Et oui, l'homme en colère est un spectacle qui a fait le tour du monde. Et oui, ce spectacle a été aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Brésil, en Europe, partout, partout, partout. Ce spectacle a été présenté au Vatican, où le pape avait quelques problèmes avec les cardinaux. Et dès que nous sommes arrivés, tout était résolu. C'est ce spectacle qui a été présenté à M. Obama, alors qu'il avait des problèmes avec sa femme. Et quand nous sommes arrivés, tout était en ordre. Et ce soir, ce spectacle est beau. Ce spectacle a fait partout, il a été vu, sauf ici. Et ici, ce soir, sous vos applaudissements, nous allons accueillir l'homme en colère. Applaudissez. Ah. Oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Cher ami, bonjour. Ça va? Très bien, très bien. Ah. Bien, vous allez nous dire pourquoi vous êtes en colère. Qui, moi? Oui. Mais vous le voyez bien, je ne suis pas en colère. Oh, mais si! Vous êtes en colère! Mais qui vous dit? Qui vous a dit ça? Ah, mais c'est prévu comme ça! Comment? Oui! Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme ça! Vous êtes l'homme en colère, et moi, je suis l'officier, je viens, je présente mesdames, mesdemoiselles, c'est monsieur, voici l'homme en colère! Et vous savez, vous êtes en colère! Attendez, pourquoi je dois me mettre en colère? Parce que c'est prévu comme ça. Écoutez, c'est prévu comme ça. Par qui? Par le spectacle. Le spectacle? Notre spectacle. Quel spectacle? L'homme en colère. je ne comprends rien. Il n'y a rien à comprendre. Vous n'avez rien à comprendre. Vous devez seulement vous mettre en colère et puis c'est parti. Oh. Attendez, pourquoi devrais-je me mettre en colère? Oh! Alors qu'il n'y a aucune raison à ça. Ah, mais je sais que vous allez trouver. Peut-être, c'est à vous de chercher, moi. Ah, vous voulez que je cherche? Pourquoi vous allez vous mettre en colère? Il faut trouver une raison. Bien, allez, assez. Bien, imaginez. Vous avez une femme? Oui, oui. D'accord. Imaginez que votre femme se fasse couillonner par un petit rappeur du coin. Qu'est-ce que vous avez dit? Que votre femme se fasse couillonner par un petit rappeur du coin. Vous voulez dire ma femme se fait baiser par un petit du coin. Voilà. Non, pas un petit du coin, mais un petit rappeur. Tu sais, ce genre de bâtiment. Ah, oui. Je vois les cheveux. Les jeunes gens qui se promènent avec des tresses sur la tête. Voilà. Et le casson est presque dehors. Voilà. Parce qu'il y a une grande démarche comme ça. Et quand toi tu n'es pas là, il vient. Il fait l'intérim. Non, il ne fait pas, il assume. Il rentre dans votre femme, sur votre lit, dans votre maison. Comment ça? Mais comment ça? Hein? Quel culot! Et vous le connaissez, ce petit rappeur là? Non, je ne le connais pas. Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Bon, c'est un petit rappeur comme il y en a beaucoup, hein.
comme les Sidi, comme les David, comme tous ces gens-là qui ont des cheveux comme ça. Qui c'est? Qui est là? Arrête, monsieur, arrête. Ma femme se fait baiser par un petit rappeur. Ah oui. Mais c'est pas normal, ça. Mais ça, ça devait vous mettre à bout. Non, mais ça, je suis déjà fâché. Je suis déjà fâché. Rentrez, et nous allons commencer notre spectacle. Ok, d'accord. Affâché. Nous sommes collègues. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oh, veuillez excuser ce petit incident à l'incompréhension. Vous savez, quand vous jouez avec des petits comédiens, c'est toujours comme ça. Bien, écoutez, c'est pas grave. Maintenant qu'il a compris que sa femme s'est fait par un petit rappeur, il s'est mis en colère. Alors, je ne sais pas quelle est la couleur de sa colère. Parce qu'il y a des colères rouges, colères vertes, colères violettes, colères noires, colères blanches, colères roses. Et moi, je ne sais pas quelle est la couleur de sa colère. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est en colère. Et sans plus tarder, sous vos applaudissements, je vous demande d'applaudir frénétiquement l'homme en colère. Applaudissez. Vous êtes bien. C'est drôle. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est drôle? Votre histoire là. Quelle histoire? Ma femme se fait baiser par un autre homme. C'est inconcevable. Inconcevable. Non, fidèle. Non, non, il ne s'agit pas de fidélité. Quoi? Vous savez, ma femme est une laideur telle qu'aucun homme sur cette terre ne peut accepter de la baiser, même gratuitement. Attendez. Vous l'avez quand même épousée. Oui. Mais pourquoi? Mais justement, je l'ai épousé à cause de sa laideur. Ah oui, ça c'est une assurance de tout risque. C'est-à-dire que je suis à l'abri des visiteurs indésirables. Vous voyez, bon, parce que quand il court avec tout ce que nous avons comme crise, ma femme ne peut pas être convoitée par d'autres hommes. Voilà. J'ai épousé sa laideur. Ah oui. Mais vous n'avez pas de cœur, vous? Si, Donc vous voulez dire que votre femme est tellement laide qu'on ne peut même pas la baiser? Non, mais non, c'est impossible. Non, vous ne pouvez pas vous mettre en colère pour ça. Oh non, je ne peux pas, ça me fait marrer. Mais il n'y a pas une raison qui peut vraiment vous mettre en colère pour que le spectacle continue. Ces gens ont payé. Ont payé pour venir voir ce spectacle. Oui. Donc ils ont attendu ce spectacle depuis 5 ans. Oui. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce spectacle joue en soirée. Oh, attends. Je crois qu'il y a moyen de trouver une raison. Voilà. Toujours parlant de ma femme, oui. Par exemple, quoi? Que ma femme mette au monde un enfant blanc. Comment ça? Hein? Que votre femme mette au monde un enfant blanc. Donc que votre femme vous trompe avec un blanc. Oui, par exemple. Oh, ça va m'énerver. Pourquoi? Mais attendez, moi j'aurais attendu 9 mois. Hein? Avec tous les sacrifices que cela exige. Hein? Ah, vous comprenez? Ma femme, par exemple, quand elle est enceinte. Mais c'est compliqué. Elle a plus de mal à manger des fruits qu'il faut aller chercher notamment dans la blouse. Des fruits qu'on ne vend pas sur le marché. Alors vous comprenez? Moi j'ai attendu. Je me suis sacrifié pour elle et enfin c'est un petit garçon, c'est un bébé de tout blanc là avec des cheveux. Sans cheveux. En plus, attendez. Et en plus, moi je me promène avec le petit enfant, on me regarde, je dis, c'est mon fils. Et moi je suis noir, il est noir. Et sa maman est noire, toute noire. Non mais attendez, c'est pas normal. Ça vous devait mettre ça. Ça me met en colère déjà. À tuer le blanc. Non, attendez, s'il était là, je l'aurais poignardé. Rentre maintenant. Et puis, imaginez à votre femme se faire faufiler par un blanc. Par un blanc. Et je suis en train de me faire un enfant. Allez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez compris qu'il va se mettre en colère maintenant qu'il sait que sa femme se fait pourvendre par un blanc, pas n'importe quel blanc, un petit blanc qui vient de son pays, qui n'a rien laissé là-bas, qui vient ici pour... Il est en colère. Et serrez vos ceintures. Car maintenant qu'il est...
est en colère, il ne fait pas plus de moi. Alors la suite ne me regarde plus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans plus tarder, sous vos applaudissements, nous accueillons l'homme en colère. Il y a des lumières qui fonctionnent.